il y a des athlètes uniques qui changent tout. Et en tant qu'athlète toi-même, tu admires cette personne. Et puis un jour, tu rencontres cette personne. Et elle s'avère être plus intelligente, plus charmante, plus drôle et plus cool que tu ne l'avais imaginé lorsque tu étais dans ta chambre en train de regarder des vieilles vidéos d'elle. Alors, Zinedine Zidane, c'est ce que tu as ressenti quand tu m'as rencontré? Lucas, come on, on va faire des petits trucs. Allez, allez, on va essayer, on va essayer. Oh, mais jouez. Une, deux. Oh, tu penses que j'aurais pu faire carrière dans le foot? Dur le foot. Dur, hein? Mais maintenant, ils sont encore plus, ouais, plus physiques et tout. Ah, ouais. Surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ce truc technique quand même. C'est le pied gauche ou le pied droit devant? Moi c'est droit. Oh là là, oh, mais on m'avait dit que j'allais devoir te tenir. Oh là là. J'ai vu que tu avais déjà skaté. Quand est-ce que tu as skaté et comment où? Et c'était dans le quartier en fait. Finalement avec les copains, on joue au foot, ça c'est sûr. D'accord. Mais on faisait aussi du skate. Et j'ai commencé là. Et là ça a commencé là. C'est incroyable. Enfin, ça c'est les bons moments dans le skate. Tu partages, tu vois. Ça, tu te prends pas au sérieux. Je faisais ça, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais dit que tu aurais fait du skate. Toutes les images, on a vu qu'il n'y avait que le foot qui tournait, que le... Quand on est passionné, qu'on a un sport et qu'on est bon, en général, on fait que ça, mais... En tant que sportif, on sait qu'un jour, ça va s'arrêter. Ça s'arrête, ben, c'est pas fini, tu restes dedans. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Quand il y a la passion, il n'y a pas de fin. Et non. Voilà. Ça qui est beau d'ailleurs. Une belle phrase. Ça. On va à la maison. On se voit bientôt. Hein? Allez, à bientôt. Hein? Ciao, ciao. Rentre bien.